Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui encore sur France 3 avec à la une de l'actualité météo, la tempête Matisse qui a fait déjà que les vents se sont renforcés comme prévu sur le nord-ouest du territoire. On a relevé des valeurs jusqu'à 150 km par heure sur les caps exposés. Vigilance maintenue donc par Météo France ce matin, toujours pour la Manche et pour le Pas-de-Calais. Vigilance prévue jusqu'à 18 h au moins. On commence évidemment comme tous les jours avec les clichés qui incarnent le temps et sans par heure. Dans le détail, côté ciel aujourd'hui, c'est un temps chaotique quasiment partout. La perturbation aura glissé, elle va se scinder en deux. Une partie sur les Pyrénées, une autre sur les Alpes, où on va avoir de la neige dès 1800 mètres. Partout ailleurs, des giboulées, de l'instabilité et donc les vents dans l'intérieur des terres et également le long du littoral. Soyez prudents, seul l'extrême sud-est va tirer son épingle du jeu. Le tout avec des températures qui vont baisser, reviennent dans les valeurs de référence avec 11 à Cherbourg, 15 à Paris, 22 à Nice par le vent de terre. Pour ce soir, je vous le disais, on conserve la prudence puisque les vents vont continuer à bien souffler, notamment sur le nord-ouest, mais pas que, hein, sur tout le territoire également, avec des valeurs jusqu'à 80 km par heure. On surveille aussi les cumuls sur les régions septentrionales. Un mois de pluie hein, en 36 heures sur les Hauts-de-France. Demain, on va retrouver encore un temps agité sur une majeure partie du pays. On voit plus marqué d'ailleurs, hein, près des frontières du nord-est et jusqu'au flanc est. Attention par ailleurs aussi aux bonnes chutes de neige. Risque d'avalanche de 3 sur 5 pour l'instant, qui pourrait aller à 4 sur 5. Vous l'avez compris, c'est une journée bien pluvieuse qui nous attend pour demain. Peut-être une poche d'éclaircie est-elle prévue sur les régions la région vendéenne notamment, et puis toujours l'extrême sud-est, les vents aussi vont se renforcer. La température du matin, on y vient? Ça reste encore assez doux, 5 à 13 degrés. Dans la journée, en revanche, ça baisse à nouveau après le passage de tous ces fronts neufs sur les régions septentrionales. Et c'est particulièrement doux en Méditerranée pour la suite. Regardez ce que l'on prévoit. Une journée de dimanche entre deux avec des vents forts sur les Pyrénées. En revanche, lundi, retour d'un temps plus anticyclonique, mais avec des valeurs particulièrement froides le matin. On part dans les petites averses. Là, on n'oublie pas, évidemment, le QR code. Si vous avez des questions, on vous répond. Scannez juste ici. Belle journée à ce soir.